Le rire de Marius Trésor, sa personnalité toujours décontractée, c'est l'une des raisons que décideurs qui veulent penser dans son ensemble à se mobiliser en son honneur. Les dirigeants, le président de la Fédération française, les entraîneurs, de nombreux joueurs et même des hommes politiques ont tenu à être présents. Le jubilé du recordman des sélections de France a rassemblé de grands noms. Pour la 22e et dernière fois, Marius a donc porté le brassard de capitaine des tricolores. Un redoutable honneur n'empêche pas les policiers de garder le sourire. Et après une carrière de 10 ans chez les Bleus, sous la houlette de Michel Hidalgo en particulier, Marius est bientôt gagné par l'émotion. À notre avis, Marius Trésor. Je quand même Marius Trésor retrouve ses partenaires de l'équipe de France comme au plus beau jour. Ils sont tous venus, excepté Michel Platini. Trésor, qui n'a pas joué chez les Bleus depuis novembre 83, a perdu des automatismes, ici avec Basse, le gardien. Mais l'essentiel n'est pas là. Marius s'est fait plaisir, il s'était entraîné spécialement pour ce match et il ne voulait absolument pas être ridicule. Alors, il a tenu une mi-temps. Elle lui a paru longue cette mi-temps, et même très longue. Difficile de revenir au plus haut niveau. Je suis le rythme, mais c'est pas facile. Pas trop mal au dos? Non, ça va encore. Je pense que si je dois avoir quoi que ce sera sûrement ce soir quand je serai froid. Donc, alors, je vais vous dire que il a fait comme faire après. Après 50 minutes de jeu, Marius a quitté le terrain. Passation de pouvoir symbolique avec Maxime Goffi. Une dernière fois, Marius a été applaudi par les spectateurs. Et puis, après avoir été l'un des meilleurs joueurs français de tous les temps, il a découvert la solitude. Seul, avec tout de même de beaux souvenirs. C'est un monde qui s'achève en tant que professionnel, en tant qu'acteur. Mais je crois que ce milieu, je ne pourrai jamais le quitter.